Là, je suis en plein dans mon chantier de rénovation de ma clôture. Vous voyez que je mets des poteaux plus haut que l'ancienne clôture. Et je vais remplacer l'ancienne clôture à moutons, qui commence à être bien abîmée, par une clôture de 1,50 m. Celle-là doit faire 1 m ou 1,10 m, qui est beaucoup plus serrée en bas. Donc elle permettra de mieux enfermer les volailles, parce que les canards et les poules passent bien au travers de la clôture à moutons. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je fais les coins, parce qu'il y a plusieurs manières de faire les coins, et là c'est la manière qu'on faisait en Alsace, mon père fait toujours. Le but c'est de mettre un poteau de coin, et ce poteau de coin il va avoir une tension dans la direction de la clôture, donc ici et là, et on veut l'empêcher qu'il penche dans cette direction là. Et on veut l'empêcher de pencher dans cette direction là. En gros, on veut l'empêcher de rentrer vers l'intérieur du champ quand on mettra une tension sur la clôture. Et une des méthodes que les gens du coin font, c'est qu'ils prennent un bout de bois rigide en diagonale, ils le clouent en haut du coin au pied du deuxième poteau. Et donc ça fait que le poteau de coin peut pas trop pencher vers l'intérieur. L'inconvénient, c'est que c'est des tiges de bois clouées. Donc à la longue, le bois pourrit un peu et les clous le tiennent plus bien et ça peut bouger un peu. La méthode que mon père faisait en Alsace, c'est de solidariser les têtes du poteau de coin, du poteau d'angle et du deuxième poteau. Donc déjà, si l'angle bouge, ça oblige le deuxième poteau à bouger aussi vers l'intérieur. Donc ça rajoute déjà un tout petit peu de résistance, mais ensuite ce qui est important, c'est de relier le pied du poteau d'angle au sommet du deuxième poteau, ou c'est l'inverse, c'est le deuxième poteau qui est relié au pied du poteau d'angle, parce que c'est ce truc là, ça c'est très très tendu aussi, c'est pour ça que je l'ai mis en place, et ensuite j'ai tourné jusqu'à ce que ce soit vraiment très tendu. Maintenant si je veux pousser le deuxième poteau, ce truc là rentrera en tension, le fil de fer, et il est bien solidement fixé au pied du poteau d'angle, le pied bouge pas beaucoup, et donc maintenant je peux plus pousser ce deuxième poteau dans cette direction là, comme ce poteau là est solidarisé avec le poteau d'angle, c'est le poteau d'angle qui maintenant ne peut plus pousser dans cette direction. Et en faisant ça dans les deux directions, on se retrouve avec un poteau qui peut plus on ne peut plus le pousser vers l'intérieur. Si on tirait dans ce sens-là, ça pourrait encore bouger, mais il n'y aura pas de tension dans ce sens-là. Donc c'est des poteaux d'angle, et ça marche aussi pour les poteaux d'extrémité. Si la clôture s'arrête là, et qu'il y a une ouverture, même s'il n'y a pas un angle qui part par ici, on fait ça pour éviter que ce poteau-là bouge dans la direction où la clôture tire. Donc par exemple, je peux faire arrêter la clôture ici, et ici je peux mettre un portail, ce poteau là sera bien stable dans cette direction là, et dans l'autre direction c'est la clôture qui va le retenir, donc ça fait que la tension fait que le poteau peut bouger dans aucune direction. Voilà, pour faire la petite encoche ici il n'y a rien de compliqué, il faut donner un coup de scie par ici jusqu'à peu près la moitié de la poutre, et limite aller un tout petit peu plus loin que la moitié, et ensuite mettre une hache ici, et donc bien au milieu, bien parallèle, et donner un coup de marteau dessus, plusieurs coups de marteau jusqu'à ce que ça fende jusqu'ici au stop, et après le bout s'enlève tout seul. Donc ça c'est facile à faire, et après une fois que c'est en place, mettre un ou deux clous pour le fixer à la tête du poteau, ou peut-être une petite pièce de métal d'angle ici, c'est une autre solution. Ça c'est une méthode alternative que j'aime pas beaucoup. Il faut donner un grand coup de scie dans le poteau d'angle ou le poteau d'extrémité, et en mettre un deuxième en diagonale. Mais j'ai jamais vu comment c'est fait. Je suspecte que plante d'abord le poteau, ensuite ils mettent l'encoche,
Puis ils doivent creuser à la bêche par ici, mettre le poteau en place, remettre la terre par-dessus. Et en gros, ce poteau-là, il doit pas être bien en tension. Ou alors, ils mettent ce poteau d'abord. Ensuite, ils mettent celui-là. Et ils ont dû avoir l'encoche déjà préfaite. Et puis à un moment donné, ils le poussent dedans, ils le fixent avec du fil de fer ici. Parce que ce qui m'inquiète, c'est comment enfoncer ce poteau, et ensuite enfoncer celui-là sans que celui-là gêne. Plus le fait que ça protège pas aussi bien que les deux autres solutions que j'ai présentées. Je pense qu'il y a l'angle est moins favorable, donc il y a... ce poteau-là est très vertical, c'est ce que je veux dire. Donc ça protège pas beaucoup contre la tension. Ça marche tout à fait pour ce qu'on en fait ici. Ça marche aussi donc, mais voilà, ça me semble un peu plus compliqué à faire que les deux autres méthodes. La petite encoche là, elle est nécessaire aussi pour ma méthode quand on met en place le fil de fer. Il faut mettre une petite encoche en bas, mais ça c'est très facile à faire, c'est un coup de scie complètement horizontal et puis un coup de scie du bas vers le haut en diagonale, ou peut-être un coup de hache une fois que ce coup de scie est donné. Et donc ça retient bien le fil de fer, ça l'empêche de remonter sur le poteau. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Un coup de scie horizontal, puis un coup de scie à 45 degrés du haut vers le bas. Ou alternativement, mettre un clou pour bien retenir le fil de fer à cet endroit-là. Si vous voulez pas abîmer le poteau. Alors on va récapituler ce que je viens de dire. Pour commencer, j'ai le coin tel que je l'ai fait moi, donc ma méthode préférée. Vous voyez sur le schéma, j'ai mes deux poteaux sur le coin ou sur l'extrémité de la clôture. Alors sur la droite, la clôture se termine et à gauche, elle continue. Les trois fils horizontaux, on va dire que c'est des fils barbelés ou c'est une clôture à moutons ou des fils électrifiés. Donc on voit... entre les deux poteaux, il y a une barre horizontale au sommet qui les relie et qui rigidifie l'ensemble. Et du coin inférieur droit, donc le poteau d'angle en bas, est relié au deuxième poteau en haut par un fil de fer tendu. Alors vous voyez, si on met les fils en tension, ça, ça tire sur le poteau d'angle en direction du reste de la clôture, ce qui va transférer la force à travers la barre horizontale en haut sur le deuxième piquet. Et le deuxième piquet, il est retenu par le fil de fer, donc la tension est transférée sur le fil qui est retenu par le coin en bas à droite du piquet d'angle. Et le bas du piquet va pas beaucoup bouger, il est stable parce qu'il est près de la partie qui est enterrée dans le sol. Et vous voyez qu'il y a un petit composant de force qui est transmis verticalement dans le deuxième piquet, donc le sol retient un peu le piquet de descendre. Ensuite, il y a une manière plus locale de faire par chez moi en Isère, c'est de relier le haut du piquet d'angle au bas du deuxième piquet par une barre rigide. Donc dans ces cas-là, la force des fils sera directement retenue par le bas du deuxième piquet qui lui est stable. C'est une méthode qui marche aussi. Elle a un petit inconvénient, c'est qu'il faut une barre plus longue. Un morceau de bois plus long, c'est un peu plus cher du coup, et il faut faire très attention à la manière de planter les clous pour fixer les poteaux verticaux, les piquets verticaux à la barre en diagonale. Vous voyez que ça peut se faire avec trois clous, mais qu'il faut faire attention à ce que les clous ne soient pas alignés dans des fibres, alors ni du piquet vertical ni de la barre en diagonale. Donc il faut que les clous soient entre des fibres différentes. Ça évite que ça fende les piquets.
Et pour finir, il y a la méthode que j'aime moins, qui est utilisée pour l'instant sur ma clôture. C'est de mettre un troisième piquet un peu en diagonale, enfoncé dans le sol, d'un côté, et de l'autre côté cloué à la partie haute du poteau d'angle. Donc rien n'est relié au deuxième piquet, tout est fait sur le piquet en diagonale qui retient le piquet d'angle. Mais bon, ça me semble moins solide. Ça a juste l'avantage d'être moins cher parce que les piquets sont pas très chers et les barres horizontales, ça va dépendre de comment vous les trouvez. Moi, mon fournisseur de piquets me dit qu'il vend le bois au mètre, donc les piquets d'un mètre cinquante de non de 2 mètres de haut me coûtent 2 euros, alors que les piquets en diagonale me coûteraient au moins 3 euros parce qu'il ferait au moins 3 mètres. Donc là, avec 3 piquets de 2 mètres, on peut se débrouiller. Mais voilà, probablement moins solide.